Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va expliquer le chapitre 5, multiples et diviseurs d'un naturel, partie 4. À la fin de cette vidéo, l'élève sera capable de reconnaître deux nombres premiers entre eux, reconnaître la relation A fois B égale PPCM de A et B fois PGCD de A et B, où A et B sont deux entiers naturels. S'il vous plaît, mettez les matériels suivants devant vous. Nombre premier entre eux. Définition. Deux nombres sont premiers entre eux si leur plus grand commun diviseur, c'est-à-dire leur PGCD, est égal à 1. Exemple. Trouvez le PGCD de 15 et 22. Tout d'abord, on trouve les diviseurs de 15 qui sont 1, 3, 5 et 15. Les diviseurs de 22, 1, 2, 11 et 22. Le seul facteur commun, c'est 1. Donc, le PGCD de 15 et 22 égale à 1. Donc, 15 et 22 sont premiers entre eux. Remarque. Deux nombres consécutifs sont premiers entre eux. Exemple, 15 et 16, 24 et 25, 180 et 181. Donc, les nombres consécutifs sont premiers entre eux. Application. Vérifiez si les nombres de chaque paire sont premiers entre eux. 8 et 15, 50 et 51. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de faire cette application avant de voir la solution. Solution. Les diviseurs de 8, 1 fois 8 égale à 8, 2 fois 4 égale à 8, donc diviseurs de 8 sont 1, 2, 4 et 8. Diviseurs de 15 sont 1, 3, 5 et 15. Le seul facteur commun de 8 et 15, c'est 1. Donc, PGCD de 8 et 15 égale à 1. Donc, 8 et 15 sont premiers entre eux. Deuxième partie, 50 et 51. Regardez, 50 et 51 sont deux nombres consécutifs, alors ils sont premiers entre eux. Plus petit comme un multiple des nombres premiers entre eux. Activité. 11 et 13 sont deux nombres premiers entre eux. Trouvez leur PPCM. Deuxièmement, trouvez le produit de 11 et 13. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de faire cette activité avant de voir la solution. Solution. Tout d'abord, on trouve les multiples de 11 en multipliant 11 par 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, les multiples de 11 sont 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121, 132, 143. Les multiples de 13 sont 0, 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130, 143. On trouve que le plus petit comme un multiple non nul, c'est 143. Donc, le PPCM de 11 et 13 est égal à 143. Maintenant, le produit de 11 et 13, 11 fois 13 égale 143. Conclusion. Le PPCM de deux nombres premiers entre eux est égal à leur produit. Exemple. Trouvez le PPCM de 12 et 13. Regardez, 12 et 13 sont deux nombres consécutifs. Solution. On sait que 12 et 13 sont deux nombres premiers entre eux, car ils sont consécutifs. Donc, le PPCM de 12 et 13 égale 12 fois 13 égale 156. Application. Trouvez le PPCM de 9 et 28. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de faire l'application avant de voir la solution. Solution.
Diviseur de 9 sont 1, 3, 9. Diviseur de 28, 1, 2, 4, 7, 14, 28. Le seul facteur commun de 9 et 28 est 1. Donc, nous remarquons que PGCD de 9 et 28 égale à 1. Donc, ils sont premiers entre eux. Alors, PPCM de 9 et 28 égale 9 fois 28 égale 252. Révisez page 69, nombre premier entre eux du livre. Devoir, exercice 12, page 73 et exercice 17, page 74 du livre. Produit du PGCD et du PPCM. Activité. Complétez le tableau suivant. Comparez le produit de ces nombres et le produit de leur PGCD et PPCM. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de faire cette activité avant de voir la solution. Solution. Le produit de 9 et 12 égale 108. Leur PGCD égale 3. Leur PPCM égale à 36. Le produit du PGCD et PPCM égale 108. 3 fois 36 égale 108. Le produit maintenant de 8 et 20 égale 160. Leur PGCD égale à 4. Leur PPCM égale à 40. 40 fois 4 égale 160. Et finalement, le produit de 12 et 30, c'est 360. Leur PGCD, c'est 6. Leur PPCM est 60. 60 fois 6 est égal à 360. Donc, le produit de deux nombres est égal au produit de leur PPCM par leur PGCD. Conclusion. Le produit de deux nombres A et B est égal au produit de leur PGCD par leur PPCM. A fois B égale PGCD de A et B fois PPCM de A et B. Exemple. Trouvez le PPCM de 12 et 8 si leur PGCD est égal à 4. Donc, regardez ici, on a les deux nombres et leur PGCD, on va trouver le PPCM. Solution. A fois B égale PGCD de A et B fois PPCM de A et B. A fois B, 12 fois 8, égale PGCD qui est 4, fois PPCM de 12 et 8. Donc, 96 égale 4 fois PPCM de 12 et 8, et par suite, le PPCM de 12 et 8 égale 96 sur 4 égale 24. Maintenant, une application. M et N sont deux nombres dont leur produit est 48. Trouvez leur PGCD si leur PPCM est 24. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de faire cette application avant de voir la solution. Solution. M fois N égale PGCD de M et N fois PPCM de M et N. Donc, 48, qui est le produit, est égal à PGCD de M et N fois 24, qui est leur PPCM. Donc, PGCD de M et N égale 48 sur 24 égale à 2. Révisez page 70 du livre. Devoir, exercice 19 et 20, page 74 du livre. Résumé. Nombre premier entre eux. Leur PGCD est 1 et leur PPCM est égal à leur produit. 33 et 34. 3 et 5, 19 et 54. Produit du PGCD et du PPCM. A fois B égale PGCD de A et B fois PPCM de A et B. 4 fois 6 égale 24. PGCD de 4 et 6 égale à 2. PPCM de 4 et 6 égale à 12. PGCD fois PPCM égale 24.